Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Salut à toutes et tous et bienvenue à une nouvelle émission Elle. Toujours très heureuse d'être parmi vous encore plus aujourd'hui parce que bon, toutes les semaines, bien sûr, tous les dimanches lors de la première diffusion, m'ont célébré la femme à ma manière avec ben, l'invité qui à mes côtés. Mais aujourd'hui, nous pouvons célébrer la femme de manière plus spéciale parce que dans quelques jours, dans quelques heures, nous pouvons célébrer la Journée internationale des droits des femmes ou bien la Journée internationale des femmes tout simplement parce que The Peggy à travers le monde, dans le monde entier, dans différents continents. Donc, il y a différentes manières qu'ils appellent sa journée-là. Mais le plus important qu'ils nous retenaient, c'est la journée que nous célébrer la femme. La femme, comment nous dire, la femme est l'avenir de l'homme, comme on le dit dans la chanson « Derrière chaque grand homme se cache une femme ». Ben voilà, hein. Pour terminer, c'est mon tout un dicton qui comprend la femme et pour vous dire que la femme elle a un rôle important dans nos quotidiens, dans la vie de tous les jours, que ce soit la femme en elle-même tout simplement, qu'elle soit compagne, qu'elle soit concubine, qu'elle soit épouse, qu'elle soit maman. Et nous pour célébrer la femme aujourd'hui et aussi une femme de cœur, comme on m'appelle autres, hein, les marraines. Les mamans de cœur, les grand-mères, ben arrière-grand-mère, ben tati, ben ma tante, ben voilà. Tant que vous êtes femme, tout simplement, c'est une émission spéciale dédiée pour autres azordi. Donc, mon invité qui est long en cours. Alors, il est dans le domaine professionnel de l'enseignement, si vous êtes capable d'y aller comme ça. Donc, il peut expliquer nous, bien sûr, ce travail au cours de ces quelques minutes qui nous pour passer ensemble. Mais il peut causer nous surtout d'elle et de la femme. Dans toute sa splendeur. Mon invité d'aujourd'hui, c'est Kamla Venkia. Kamla, bonjour. Bonjour, Clara. Et bonne fête de la femme. Toi aussi, à toi aussi. Merci. Merci. Et à toutes celles qui nous regardent. Bien sûr. Bien sûr. Alors, Kamla, comme on dit, nous pouvons causer la femme tous les dimanches, mais nous pouvons causer de manière plus spéciale aujourd'hui. Donc, bien placé parce qu'il fait partie d'un domaine quand on trouve la femme évoluée. Oui. Alors, on connaît la femme timide, on connaît la femme soumise, oui. Mais on connaît aussi la femme émancipée, oui. La femme décomplexée au fil, oui, des années, ben nous pouvons lire au cours de cette émission. Mais d'abord, la participation de la femme dans la société et où, en tant que femme, oui. Kamla. Alors, moi, je trouve que ben, femme, je peux contribuer beaucoup dans l'économie, plus être la case, plus être enfants, pour l'environnement. Et la femme, nous besoin de dire qu'il y a une quiquaine qui pense au-delà de ce penser. Il est toujours à l'écoute, il est toujours apporte une synergie positive et il est toujours, comment dire, prêt à aider une femme, donner un sourire aux femmes. Parce qu'il y a une femme qui est capable de passer misère, est capable de gagner barté, mais c'est même quand on donne un sourire, ça veut dire qu'on peut encourager. Et même on reprend où, parce que la femme, il porte beaucoup de, on dit, il pense au-delà de ses pensées, oui, mais c'est aussi, il porte beaucoup de responsabilités pour ses petites épaules. Oui. Parce que, par exemple, nous pas pour cause le côté négatif, mais nous cause la vérité aussi. La vérité. Parce que la femme, sa vie n'est pas rose. Oui. Il connaît beaucoup, par exemple, une femme battue. Oui. Mais parmi la société, cette femme qui fait qu'elle battait, par exemple, avec ce bonhomme, il peut sortir dans 5 minutes, il peut faire un beau sourire à son voisin. Oui. Donc la femme, elle sait camoufler ses émotions. Oui. Et ça, je trouvais que c'est extraordinaire. Oui. Il n'est pas pour dire qu'il y peut passer. Et ça, oui, je trouve que c'est un bel atout. Oui, oui, parce que la femme, je suis capable de battre le soir, mais à cause des enfants, à cause de l'environnement, je suis cachée de ça, l'émotion de souffrance-là. Là, donc celle c'est ça même qui fait d'elle la femme forte, la femme courage. Oui, courage. Et il y en a courage tous les temps parce que quand il lève grand matin, il est capable de gagner des insultes, mais quand il lève grand matin, il lève qu'un courage parce qu'il a l'amour de celui qui est. Et il a une conscience qui, comment dire, il a seulement des enfants, il a son mari, il a tout un entourage qui peut guider lui. Et il y a l'exemple pour une société. Et moi-même, je suis capable de dire que je suis une femme soumise, je suis une femme qui n'a pas de droit à causer, pas de droit à exprimer, mais seulement avec le temps, je suis une femme capable.
Alors, Kamla, nous ne pouvons pas forcément rentrer dans votre vie privée. Nous allons prendre ce qu'ils ont envie de partager avec nous. On dit la femme soumise. Oui. Donc, la femme, donc même en 2023, malheureusement, il y en a la femme qui est encore soumise. Mais vous, à votre époque, qui vous appelez une femme soumise? Et moi, comment dire, quand j'ai une femme soumise, je vis dans la peur. Je suis père, comment dire, il y a une bagarre, je suis père, mon gars, il y a une répression. Je suis capable, je suis besoin, ferme la bouche, reste dans le silence et pas exprime-moi. Donc, encaisser, tout encaisser. Tout encaisser. Et je suis capable de dire, le silence, il vaut l'eau. Le silence est dogme. Oui, parce que quand on peut. Ou peut répondre, ou peut dire, comment dire, ou peut défendre nous, mais parfois ou défendre nous dans le côté négatif. C'est-à-dire, quand on peut défendre nous, ou peut trouver qui, comment dire, ou bien vite plus insulte, ou bien vite plus batté, ou bien vite plus sous-estimation. Mais c'est ça qui me vit, moi aussi. Je vis dans cette situation. Mais seulement, aujourd'hui, je ne peux pas regretter parce que mon silence, il amène moi à concevoir, mon silence amène moi à monter, mon silence il fait moi faire progrès, mon silence il donne moi beaucoup de choses positives. Donc encore un bel exemple, Kamla, de la femme courage, mais donc c'est bien suivre, ne pas dire que la femme bizarrait son silence, non, mais ça c'est ce Kamla, c'est qu'il en était dans le passé, oui. Et bien sûr nous voice out, nous dire ce qu'il nous pensait, oui, mais quand nous pensait que c'est mieux de rester tranquille pour arranger les choses. Donc, c'est ça qui nous vit. C'est ça qui nous vit. Mais ça, il fait revenir une femme émancipée aujourd'hui. Émancipée. Une femme qui est capable une femme responsable. De prendre ses propres décisions. Oui. Je prends une responsabilité, c'est-à-dire faire les autres, porter mon expérience avec les autres, faire les autres comprendre c'est quoi une femme mariée, c'est quoi une femme de la société, c'est quoi une femme qui veut se battre. Qui, comme si il a courage pour se battre, pour faire quelque chose de positif. Moi, je trouve moi de la positivité maintenant. Mais il n'y a rien, comment dire, qui me trouve ça un fardeau. Quand il y a un petit problème, là, je connais la solution, elle peut venir tout de suite. Parce que je pense positivement. Et bien voilà, c'est si joliment dit de manière positive, malgré les coups durs, malgré les coups bas, ben, femme, elle est toujours lever, les toujours debout et toujours à de l'avant. Allure. C'est ça le message que j'ai pour vous, les, mesdames. Chaque semaine, maudit la femme, mise à compte, mange en lit malgré tout, mais encore plus aujourd'hui, quand nous pouvons célébrer la femme. Petite chanson de circonstance et on se retrouve juste après. La terre saigne depuis la nuit des temps, de grandes misères et de guerres souvent. Et pour chaque soldat qui rentre, une femme attend. Les hommes les pires et les tout-puissants, les pires bourreaux et même Adolphe vivant, avaient tous au moins une femme qui les aimait tant. Quand c'est pas une sœur, c'est une mère qui est. Et quand c'est pas la mère, c'est l'épouse qui est. Et quand c'est pas l'épouse, c'est une autre femme. Une maîtresse qui espère alors. Si c'est vrai qu'elle nous pardonne tout. Si c'est vrai. La pomme d'Adam, ils portent les maux et les torts du monde, tout leur vivant. Le ciel bénisse la femme qui est mon corps, un infidèle jusqu'à la mort. Faut être Dieu pour être haï et aimé plus fort. Quand c'est pas une sœur, c'est une mère qui est. Et quand c'est pas la mère, c'est l'épouse qui est. Et quand c'est pas l'épouse,
c'est une autre femme, une maîtresse qui espère elle aussi. C'est vrai qu'elle nous pardonne tout. Si c'est vrai qu'elle nous aime malgré tout. Si c'est vrai qu'elle donne aux hommes le jour. Moi je dis que le bon Dieu est une femme. Si l'homme du monde était dans la main d'une femme, on lui ferait la cour pour la voir. Imagine les hommes s'ils n'avaient qu'à chanter l'amour pour avoir. Retour ici avec Kamla Venkia, quand nous pouvons célébrer la journée internationale des droits des femmes ou encore la journée de la femme, et m'aurait dire de la différente façon à Pelli, dépendant d'où vous êtes, dans qui pays, dans qui continent. Mais le plus important, c'est qui nous peut célébrer la femme encore plus fort, de manière plus belle aujourd'hui. Alors Kamla, on cause la femme, hein, la femme qui était soumise quelque part avant. Oui. Donc on cause ça, on cause la femme qui n'évoluait. Nous pouvons cause aussi au travail, que tu côtoies différentes sortes de femmes, des différentes femmes, sortes oui. de caractères. Mm-hmm. Mais il y a des affaires qui traitent à la mauricienne. Par exemple, quand on nous dit, qui te fait à toi? Même femme au foyer. Ah, mais ça pas... Mais non, la femme au foyer, moi, je trouve ça extraordinaire. Oui, parce que la femme au foyer, les gère, comment on dit, il y a différents ministères. Mm-hmm. Les gère le ministère de la femme, mm-hmm. le ministère des enfants, les gère le ministère des finances, le portefeuille, mm-hmm. les gère, Gordemanzé, comment on le dit en créole, les gère tout ça. Oui. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire qu'il ne faut pas le sous-estimer. Ben, femme au foyer, parce qu'il me trouve ça important, le qu'on dise aujourd'hui, parce que l'émission se prépare. Oui. Quand nous connaît, ben, nous m'ont demandé, ben, madame, mais nous, tu besoin de dire ça, mettre ça de l'avant, Clara, parce que la femme au foyer, ben, ce n'est pas n'importe qui. Il faut ne pas nous traiter comme non, si. Nous rabaisse les noms. Non. Une femme au foyer, c'est une femme extraordinaire. Moi, je vous dire que la femme se valeur. Les trouve n'importe qui côté, la case, les capables de ton chemin, les capables de trouver dans le bus, se valer et se valer. Ne prends une femme qui reste la case. Parce que quand il reste la case, il peut cuire manger, il peut nettoyer la case, il peut coudre parfois, il peut préparer un petit gâteau pour les vendre, il peut préparer la venue de son mari, la venue de ses enfants, et il est toujours une acquitteuse spéciale. Pour accueillir ce bon enfant, pour faire un petit crêpe, pour faire un petit gâteau de piment, parce que ça veut dire qu'il fait ça avec l'amour, il fait ça, une façon d'accueillir ce bon enfant qui est sorti de l'école, ce bon enfant qui est fatigué, et ce bon enfant là connaît juste maman, il est prêt à tout. Surtout, nous disons, Jali, malgré qu'en 2023, on a beaucoup plus de facilité aujourd'hui, mais même de nos jours, il y a une femme qui a encore lavé la rivière, oui. et il y a une madame qui a encore lavé l'eau de se laver. Vous êtes bien, vous êtes bien bonne à tout faire, comme on dit, il y a des gens qui travaillent avec vous autres. Donc, vous êtes bien fait tout. Oui. C'est vrai, la femme, elle est amenée, elle est appelée à faire ça, mais pas que. Et il y a une femme qui, malheureusement, vous êtes oubliée, vous autres. Oui. Par amour pour ce mari, par amour pour ses enfants, parce que c'est son devoir. Oui, c'est son Donc, moi, je me dis, chapeau bas, toutes ces femmes extraordinaires qui Et... Non, mais les autres femmes au foyer, mais qui paraissent assises. Non. Et une femme, elle est capable de prendre le cas de moi-même. Je compte planter, je trouve le temps pour planter, je compte cuire, je trouve le temps pour cuire, je compte nettoyer pour tout propre. Et je trouve le temps pour faire aller, parce que je compte faire aller. C'est un plaisir, ça, qu'une femme, comme on dit, elle paraît stagnante, elle bouge tout le temps, elle fait qu'elle se tout le temps. Ça veut dire qu'elle peut valoriser elle-même. Ça? Et puis, moi, je dis une affaire qui, les parents, les beaux-parents, ils en ont beaucoup à partager, nous. Beaucoup d'expérience. Je n'ai pas dans ça l'esprit
la femme de son fils est un étranger, ou bien il y a une différence sociale, ou bien il y a une différence de religion, ou bien il est sorti d'une famille pauvre. Les bisais, pas considérés comme ça. Les bisais, considérés comme une femme à part entière. À part entière, une femme qui a valeur. Parce que quand ce garçon est content, il fait là, il est content, il a trouvé. Mais il n'y a pas de problème, pas capable de venir après. Et moi, je pensais que les parents ont un rôle important à faire là, qui, comment dire, j'ai besoin de support, j'ai besoin, on dirait, pas possible dans la destruction, pas possible dans la séparation, pas possible dans, pas augmente la haine. J'ai besoin, comment dire, d'un léquer, comment dire, satisfait là, il y a une femme. Et c'est si joliment dit, vous parlez aussi en... une expérience personnelle aussi, donc respectez, même si ce n'est pas votre fille, oui. Même si c'est uniquement votre belle-fille, une étrangère, mais nous, pour cause de le contexte très mauricien, ça c'est qui me redit, donc ça fille, elle quitte la case aux familles, elle quitte la case, donc la respecter comme si c'était votre fille, comme si c'était votre sœur, et bien voilà, une autre façon de célébrer la femme dans le respect. À tout de suite. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages, et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures. Dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort, prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme. Alors, Kamla, nous cause la femme qui tient à sa statue, malheureusement, de femme soumise, stigmatisée, parce qu'il y a une femme au foyer, mais je trouve que c'est un rôle extraordinaire. Alors, un grand coucou à toutes ces femmes qui la casent, mais qui n'ont de lourdes responsabilités, donc je vous salue bien bas, mesdames. Et là, nous pour cause, donc nous pour cause, cause évolution de la femme. Donc, la femme, de plus en plus, moins soumise, la femme a de l'avant. La femme est décomplexée, la femme en vie achieve qui sauce, donc ou bien placée, ou fait partie d'une institution. Quand on joue différentes femmes au cours de 45 ans.
Oui, et C'est pas 45 jours. oui, 45 ans de formation, 45 ans qui nous jeunes différentes couches sociales, 45 ans une jeune femme qui a envie, comment dire, évoluer, qui a envie, comment dire, trouver ce personnel plus jeune, qui a envie de trouver l'avenir côté été. Et une jeune bonne cours, et cette bonne femme-là, c'est des bonnes femmes qui, comment dire, tiennent à cœur d'améliorer leur situation. D'améliorer leur situation financière, d'améliorer leur façon de vivre, d'améliorer surtout l'éducation de leurs enfants. Parce que quand une femme travaille, les pas pense pareil. Les toujours, comment dire, et plus de ce façon de penser, ils disent, nos enfants ont besoin de faire le progrès, nos enfants ont besoin d'arriver, nos enfants ont besoin de bon travail, nos enfants ont besoin de trouver le bonheur d'une autre façon. Donc, c'est ça que ton position bien à elle. Alors, vous faites partie, nous, donc nous les sous-présentes au travail à ce qui est offert et par rapport à la famosité que vous trouvez. Oui, alors, c'est-à-dire, moi, Domaine de la de formation la professionnelle. formation, c'est-à-dire, moi, mon cours, c'est banco secrétaire, banco IT, c'est-à-dire, banco de informatique, c'est parce que nous vivons dans le monde informatique, nous voulons qu'ils soient up-to-date. Alors, pendant 45 ans, on trouve sa femme-là évoluer de différentes manières. Oui. Donc, déjà, c'est une femme qui, mari, tu permets, vient de travailler, vient de prendre cours, et non, et a différents caractères qu'une gérée au cours de ses 45 Oui, ans, et femme-là. une situation, un cas qui nous gagne, que l'homme lui fait semblant, il est sur madame à travail, il pense seulement côté finance. Les papes pensent l'évolution de la femme vraiment. Son évolution personnelle à elle, son bien-être, Son non. bien-être, les papes pensent tout ça là. Il peut dire ça, billet qui peut rentrer la fin du mois. Il ça. Mais là, avec le temps, je devrais s'y convaincre de mari qui, comment dire, bon, mon père réussit à prendre la case, maintenant, on vient que toi, mais c'est pour amour. C'est pour amour qui, comment dire, tu peux, laisse-moi être élevé. Et comme on peut être élevé, la famille aussi peut être élevée et le mari aussi peut être élevé. Et nous trouvons aussi qu'il y a une femme qui, je te marie parler, c'est peut-être une certaine jalousie, peut-être une certaine frustration. Dire comme ça, quitte pas la prendre à Astère, Astère, quitte pas la prendre, t'es une vieille. Mais moi, me dire qu'il y a l'âge pour apprendre. Parce que. Quand nous guettons ce qui peut arriver, quand nous guettons le monde, comment il peut tourner, quand nous guettons le monde, comment il peut étudier, ça veut dire que nous avons besoin d'un training ou bien une étude continue. D'accord. Et où dans façon, donc avant nous aller un petit peu plus loin, donc nous pas loin d'un chantier de construction, donc vous pourrez tellement de petits bruits aux alentours, ben voilà, malheureusement, nous ne sommes pas capables de faire autrement. Alors, Kamla, de où façon, comment, pendant 45 ans, une aider pour faire la femme évoluer, pour empower ma femme, comme on dit. Oui, c'est-à-dire que toujours finir l'encouragement, toujours finir ça l'amour, ça d'étudier les autres, de montrer, de le faire voir, qu'est-ce que c'est que l'avenir. Parce qu'une femme, quand nous guette lit, il y a une femme qui est intelligente. Mais quelque part, il est capable de se sentir bloqué. Mais quand il commence à prendre sur l'avenir en main, quand même il finit de marier, là, il comprend qu'il est un adulte, il peut continuer. Continuer à apprendre, continuer à développer. Et il peut, tout ce qu'il peut faire là, il peut développer ça pour sa famille. Parce que quand une femme est mariée, elle quitte son maman, son papa, et sa responsabilité, c'est la famille. Le développement, c'est la famille. Le meilleur vie, c'est la famille. Ce n'est pas les parents, c'est la famille. Et l'important, c'est comment dire, qu'ils se continuent dans cette direction-là. Parce qu'il y a une femme docteur, une femme avocate, une femme technicien, une femme qui fait un travail que les hommes tu peux faire. Voilà le travail qui nous dit, il est exclusivement réservé aux hommes. Donc, madame n'est pas capable de faire ça. Mais Mais aujourd'hui, la madame, femme, elle fait tout. Et la madame, femme maçon, et la madame contrôleur bis, et la femme chauffeur bis, et la madame oui. Chauffeur poids lourd. Donc, oui. ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Et il y a quelque chose qu'une femme fait, peut-être n'est pas le lieu de construction, mais par exemple, il peut donner son mari coup de main, il peut sortir bloc, il peut battre ciment, il peut sortir macadam. Tout cela, il peut faire une contribution à le progrès.
Voilà, même si souvent, dit moun pas trouve li, ou le conjoint, ou l'époux, ou ben dit moun qui entoure cette femme pas trouvée, mais tous les jours, il y apporte ce petite pierre à l'édifice, il y apporte ce contribution pour un monde meilleur. Et comment nous dire, madame, vous avez fait sport là. Oui. Comme là, on a fait une petite session de sport avec Lita. On se retrouve tout de suite. C'est Lita. Aujourd'hui, on va faire une session d'aérobic et puis on va faire une session de pound stick. Allez. Dress ton dos. 9, redis.
marche. Un, deux, trois, quatre, cinq, allez. Thank you.
Alors, Kamla de retour après une petite session de sport, parce qu'il faut qu'on bouge, parce que le sport c'est important. Donc, pour tout le monde, surtout madame, nous dire même 30 minutes de sport, de ne pas gagner le temps à donner la sa gym, de ne pas gagner le temps sortir de la case. Mais il y a un petit exercice, donc tout le monde a un téléphone à 16 heures sur YouTube. Donc, je vais taper un petit exercice, je ne vais pas faire de la case. 15 minutes, 30 minutes, oui. Ce n'est pas impossible, n'est-ce pas? Mmh. Alors là, nous pouvons causer un différent. L'aspect, ben, madame qui malheureusement hein, dans une situation à problème, mais il est important de connaître le droit. Oui. Malheureusement, pas tout madame connaît. Oui, pas tout madame. Qui demande la loi qui protège ben, madame. Oui, et la loi protège madame. Et nous besoin, comment dire, il a le courage pour capable d'aller à sa ONG là, qui est prêt à nous jeter la main, qui est prêt pour retirer les dans ma situation, parce que je résoudre la case, pas pour café, non, il peut être. Mais j'ai besoin de sortir, j'ai besoin à l'écoute, là, tout ça, mes affaires que je peux écouter là, tout ça, mes conseils que je peux gagner là, je peux quand même mettre en pratique dans ce foyer, dans la vie de tous les jours. Et il est bénéfique parce que quand il y a un problème au foyer, les enfants sont des victimes. Les enfants sont des victimes et parfois, il y a un regret. Il y a un regret, parfois pas connaître quelle décision pour prendre. Et est-ce que si je prends la décision, je prends la bonne décision? Mais il y a toujours un doute dans. C'est-à-dire, la femme, il y a toujours un doute de sur la tête. Est-ce qu'il peut prendre la bonne décision? Est-ce qu'il peut prendre sur l'avenir en main? Est-ce qu'il peut. Ça va pour traumatiser ses enfants? Parce que la femme, oui. Beaucoup de femmes, hein, dans n'importe quelle décision qu'ils prennent sur la vie, c'est pas souvent les mettre les mêmes en avant. C'est souvent, ben voilà. Que dit-on pour dire? Oui, que dit-on de dire? Est-ce que nos enfants vont traumatiser? Oui. Donc c'est bon, c'est qu'ils nous peuvent dire qu'ils nous aiment, nous bisons comme la loi. Nous bisons, c'est vrai, nous ne pouvons pas rentrer dans le juridique parce que nous ne sommes pas que c'est là. Mm. Mais pour vous dire qu'il y a un professionnel qui est capable de dire que vous sentez, vous bisons comme quelque chose. Oui. Ce n'est pas une honte de demander. Non. Ce n'est pas une honte de dire je ne sais pas. Oui. Donc demander à l'évêque Dimoun qui pourrait dire. Oui. Quand c'était normalement une décision importante pour se prendre. Oui, parfois partage même ce problème, c'est une façon que je peux défouler je. Partager, dire, exprimer je. Et ça dit mon là, il est bizarre, l'écoute de sa situation là, pour être capable. Peut-être le conseil que vous pouvez donner, il n'est pas capable de mettre en pratique, mais toujours il connaît quelqu'un qui tient à cœur. Et où, comme là, à part, donc nous causons en bref, hein, votre domaine dans lequel vous évoluez, mais bien sûr, l'émission, il parle comme là, ce travail aujourd'hui, mais surtout comme là, la femme, comme là, qui peut cause la femme, comme là, qui peut valorise la femme. Donc, où nous sommes, donc, dans le secteur dans lequel vous évoluez, dans l'enseignement, nous dit Ali, mais, ou pas si c'est un professeur, mais aussi un counselor. Counselor. Parce que ça va, madame, là, quand je peux venir là, oui. Je peux venir entière, oui. Avec tout ce qui cela comprend. Oui. Tout ce qui cela comprend. Donc, comment on fait pour gérer le côté professionnel et le côté privé, entre guillemets, de ces femmes? Mais je trouve le temps, pendant les cours même, il y a mon conseil, mon expérience qui m'ont vie, me partager. Juste pour capable de jeter, comment dire, un petit encouragement, un petit mot qui est capable de faire juste réfléchir. C'est quoi la vie? À qui je peux faire face? Alors, c'est quoi la vie? Si vous me posez la question là. La vie, il a tout ce, il a ce bon côté, il a ce mauvais côté aussi. Mais comment nous comptons le bon côté? Il y a une bonne gestion du mauvais côté. Et quand nous avons cette bonne gestion là, nous connaissons que nous sommes capables de faire progrès, nous sommes capables de réaliser, nous sommes capables de penser pour nous capables de faire tout du monde bénéficier. D'accord. Et vous, en tant que femme, en 2023, avec tout ce qui nous passait, comment est-ce que vous situez aujourd'hui? Je suis une femme battante. Qui est comme là? Qui est comme là? 2023. Je suis une femme battante, je suis une femme bénie. Je peux affronter n'importe quelle situation et avec c'est-à-dire avec l'esprit que ça va réussir. Et mon papa, dis-moi-nous, comme là, pour oser, dis-moi-nous, parce que la femme, on traverse beaucoup. Oui. Une situation plus difficile auquel on fait face et que vous pensez ou qui vous êtes en, mais finalement on brille. C'est ça aussi la femme, nous fait face à la situation. Par exemple, nous causons un problème très commun, nous peut causer ça ce matin, donc divorce, une cause divorce, un problème de cœur, donc nous pensons que nous ne pouvons pas surmonter, mais la femme elle peut tout surmonter. Parce que quand elle est née,
l'énergie ça va la force là dans lui aussi. Oui. Alors mon cas porte à cette expérience là qui me tient envie de divorcer parce que moi je n'ai plus capable de supporter une femme comment dire abaissée. Me dit ça mais c'est moi me dit change mon idée parce que me dire comme ça pour une amélioration. Donc croire. Croire pour une amélioration. Vivre l'amélioration et mon arrive jusqu'à ce que je m'aide là maintenant. Mais je connais dans tout ce qu'il m'a fait et il a toujours le bien-être, il a toujours la joie. Parce qu'il fait, quand on a une battante, il veut dire qu'on connaît pour qui ça fait pour la guerre. Comment moi, je la guerre pour mon droit. Ou croire ou combattre pour une affaire qu'il faut croire. Oui, juste. Mais je redis, ça c'est l'expérience de Kamla. Hein? Oui, c'est l'expérience. Ça ne veut pas dire que voilà, si je pense pour divorcer, il ne faut pas. Non, on ne parle pas de divorce, mais c'est juste l'expérience de ce qui Kamla une vie et qui a envie de partager avec nous. Oui, c'est ça. Et peut-être que c'était une bonne décision aussi. C'était, pour moi, c'était une bonne décision. C'était parce... propre à vous parce qu'il croit. Oui, il croit. Vous connaissez, quand on prend une bonne décision, comment dire, qui. Avec la meilleure que vous pouvez gagner, avec le problème qui peut être un jour, vous prenez une décision. Et parfois, la décision n'est pas correcte. Elle n'est pas encadrée où. Elle est là, laissez-moi réfléchir. Que tu peux aller, que tu peux faire. Est-ce que ça peut amener un changement? Est-ce que ça pour développer la personne? Est-ce que ça pour faire la personne penser, mais si je ne suis pas là, est-ce que tu vas marcher? Et du coup, ça réfléchit. Oui, ça réfléchit. Et vous connaissez, moi, je reste avec beaux-parents. Comment dire, si moi, tu es allé, ça veut dire les beaux-parents pour équiper le fils. D'accord. Mais je ne vais pas donner l'amour qui m'a donné, je ne vais pas donner l'attention qui m'a donné, le soin qui m'a donné, je ne vais pas remplacer ça. C'est l'amour d'une femme oui? envers son époux. C'est ce que je lui ai dit, on se retrouve juste après. La femme peut accomplir de belles choses ou bien placer pour qu'elle vienne ça nous trouver tous les jours la femme l'immense en lit, combat dans n'importe quel secteur d'activité. Oui. Ça ou d'accord. Oui, parce que la femme heureusement qui lui gagne l'occasion de grimper l'échelle. Et lui gagne l'occasion pour continuer à apprendre, lui gagne l'occasion pour gagner promotion dans ce travail, lui gagne l'occasion en même temps qu'il y peut travailler, il peut penser autre chose pour capable amener dans une dimension assez haute. Et moi, je dis chapeau à ces femmes-là parce que. Et surtout la femme qui allie différents rôles, le rôle d'épouse, le rôle de maman, le rôle de femme professionnelle. Oui. Et les mêmes prendre cours après les heures de travail, elle danse au gym. Oui. Mais. Oui, il y a pour autant, quand on est au gym, là, il y a pour autant qu'une femme les valorise, les ne pas laisse les abandonner, les compte sur la peau, compte sur les cheveux, compte sur l'écho, les trouver une femme épanouie dans ce qu'il peut faire pour lui-même. Bien sûr, quand nous causons la femme, nous disons que la femme, elle aime être belle, elle aime être coquette. Mais comme tout le monde, nous sommes tous humains. Oui. Nous tous connaissons un jour. Donc, il y a des jours quand nous n'avons pas envie de faire non rien. Il y a des jours quand nous n'avons pas envie de faire non rien. Nous avons envie d'attacher nos cheveux en chignon, rester en pyjama. Oui, mais sortir de là. Prendre soin de nous. Quand nous disons prendre soin, les papes coûtent beaucoup d'argent. Hein? Donc maintenant, nous avons beaucoup à faire pour le profit de tout le monde. Un petit brushing pour vous-même, si vous avez envie, faites votre plaisir. Un petit la crème, un petit linge, même sur le chemin, on peut trouver un petit top à 100 roupies, 200 roupies, se sentir bien dans sa peau et ne serait-ce que pour nous-mêmes. C'est important que la femme prenne soin d'elle. C'est très, très important. Parce que... Et les papes ont beaucoup de moyens pour faire ça aujourd'hui. Et moi, je peux ajouter un petit mot là. C'est comment dire, ou un homme qui se positive dans la vie, ou la peau même les bouglou. Le positif attire le positif. Oui, ça veut dire, ou sourire pour une autre, ou façon de regarder pour une autre, et ça les amène beaucoup de synergie positive dans la vie. Ou content aux plantes, ou content qui manger, ou content, comment dire, habillé, ou content, et trouver dans une situation bien coquette. Et ça, il y a une plus pour la femme. Et là, moi, j'ai un petit coucou spécial à toutes ces femmes qui traversent des problèmes, qui comme pas pérer prend soin des autres, puis les autres aller, penser qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Mais moi, je dis aux autres, non, madame, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Les autres, ils ont besoin qu'on t'y combatte, même si les autres ne sont pas capables. Même si les autres, je dis, moi, envie d'abandonner. Mais non,
n'abandonnez pas parce que nous femmes, nous madame, nous venons de la terre pour un but. Un but, ben, c'est être bien dans sa peau, c'est de combattre, c'est d'évoluer, c'est d'être positive. Et ben, moi, je vous souhaite que du bonheur, malgré tout ben, problème qu'ils ont pu passer en ce moment. Moi, je souhaite qu'ils aussi trouvent la lumière au bout du tunnel, qu'ils aussi être la femme à sa place, que vous avez été, que vous méritez été. Alors, Kamla, je vous dis merci qui vous finissez ensemble avec moi aujourd'hui pour célébrer la femme. Et un dernier petit message avant de se quitter. Et moi, je vous dis que la femme, n'est pas seulement nous besoin respecter, elle mérite le respect. Elle mérite. Parce qu'une femme, la plupart du monde dit ça, nous besoin respecter. Elle. Mais moi, je vous dis la femme mérite le respect. Dans le domaine professionnel, dans le domaine de maman, dans le domaine de voisinage. Et Yann Kiken qui mérite le respect. Eh bien, en tout cas, Kamla, merci. De rien. Merci à tout le monde, mais merci surtout à madame qui mérite nous aujourd'hui. Bonne fête à vous, belle journée de la femme, belle soirée de la femme. Des panelaires qui peut faire que vous un coucou à toutes ces femmes merveilleuses qui m'ont au fil de ces années qui me présentent à l'émission. Là, même au souhait des autres, que du bonheur à toutes. Et moi, souhaiter de tout cœur qu'ils aient réussi dans tout ce qu'ils ont accompli. Encore une fois, bonne journée ou bonne soirée, mesdames. On se quitte en chanson. Et moi, des autres, à très bientôt. Bye bye. Let's go, girls. Come on. Get on my lane.
feel like a woman.